Et si aujourd'hui était le jour de ton nouveau départ? Et si à partir d'aujourd'hui, tu arrêtais de vivre ta vie de façon passive et de la subir? Aujourd'hui, tu réalises tes rêves, tu te bats pour ce que tu veux devenir et tu le deviens. Ne perds plus ton temps à regarder et jalouser les autres. Deviens cet autre. On n'a rien sans rien. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Avec de la motivation et de la volonté, tu y arriveras. Si d'autres ont perdu 50 kilos ou pris 10 kilos de muscles, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous toutes? Bien sûr qu'on le peut. Chaque jour, tu t'approcheras un peu plus de ton objectif et tu seras fière de toi. Tu regarderas ces muscles se former dans le miroir. Tu verras cette graisse fondre jusqu'à disparaître. Tu te sentiras mieux. Tu apprendras à t'aimer et à aimer ce que tu fais. Personne n'a le même objectif. Toi, tu veux prendre du poids. Toi, tu veux en perdre. Toi, tu veux de plus grosses fesses. Toi, tu veux une alimentation plus saine. Toi, tu veux courir un marathon. Peu importe ton objectif, bats-toi. Regarde au loin et ne lâche rien. Si tu as décidé de faire 200 squats aujourd'hui ou 10 km de course, ne pense même pas à t'arrêter avant d'avoir atteint cet objectif. Faire plus, oui. Faire moins, c'est hors de question. Ne vis pas dans un monde rempli de rêves que tu ne réaliseras jamais. Donne-toi les moyens de les réaliser. N'aie jamais peur de rien. Fais tout ce que tu peux, autant que tu le peux, pour devenir cette personne que tu veux être. Dans le sport ou ailleurs, sois celle que tu veux devenir. Ne rêve plus en regardant les autres. Deviens comme eux. Deviens mieux même. Ne t'arrête jamais. À chaque fois que tu approcheras tes limites, va au-delà. C'est comme ça qu'on progresse. Quand tu auras atteint ton premier but, trouve-en un autre. Ne te repose pas sur tes lauriers. Travaille toujours plus pour progresser. N'écoute jamais les autres. Ne le fais pas pour les autres. Qui a le droit de décider qui tu es et qui tu seras? Personne, sauf toi. Tu es la seule personne qui a le droit d'exiger plus de toi-même. Fais-le pour toi seule. Sois celle que tu rêves d'être. Peu importe ce que pense ta mère, ton chéri, tes copines ou toutes ces filles jalouses de la volonté que tu as et qu'elles n'auront jamais. Si tu penses que tu n'as pas ce que tu as envie d'avoir, ce n'est pas la faute de la génétique, ni de la malbouffe de la cantine. C'est parce que tu ne t'en donnes pas les moyens. Fais-toi aider, ne fais pas les choses à l'aveugle. Des tas de gens seront ravis de t'aider à réaliser ton rêve, mais tu dois le vouloir. On ne naît pas tous avec la même chance. Certains doivent se battre plus que d'autres. Mais ce qui compte le plus, c'est la volonté. Dis-toi que tu auras plus de mérite, alors bats-toi pour pouvoir enfin dire « je suis fière de moi ». Si tu ne le fais pas maintenant, personne ne le fera pour toi. Mais chacun le fera pour soi-même, et tu verras chacun devenir qui il veut être, se battre pour lui-même, alors que tu n'es même pas prête à le faire. Sors de cet engrenage maintenant, et deviens celle qui te fait rêver. Par le sport, par le voyage, par un simple changement de coupe de cheveux ou vestimentaire, par un changement professionnel ou par une rupture, par un mariage, peu importe ce dont tu rêves, peu importe ce qui te fait envie, fais-le, maintenant. La vie est courte, ne te pose plus de questions, vis au présent, laisse le passé de côté et rends ton futur le meilleur possible. Sois la personne que tu veux devenir. Ce ne sera pas facile, tu connaîtras des moments de faiblesse, tu vas encore pleurer, parfois. Tu ne seras pas la plus heureuse ni la plus belle tout le temps, et heureusement, parce que c'est ça qui veut dire que tu es vivante. Tu ne peux pas être parfaite et ce n'est pas ton but. Ton but, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Alors ne lâche jamais, et encore moins quand tu as un coup de mou. C'est justement à ce moment-là que tu dois regarder en arrière, voir les progrès que tu as faits et avancer encore plus haut. C'est quand tu as un coup de mou que tu dois te battre deux fois plus fort. Maintenant, aucune excuse n'est la bonne. Ce n'est pas demain que tu réaliseras ton rêve, c'est aujourd'hui.